J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast petit hors série boîte de bas 2020. Ouais, prenons peut-être les choses dans l'ordre, ça sera quand même mieux. Donc bienvenue par ici, moi je m'appelle Céline, vous pouvez aussi parfois entendre qu'on m'appelle Madame Bibiche, que je m'appelle Madame Bibiche. Vous me retrouvez sur Instagram, sur Ravelry, avec le pseudo See You Later Knits. Et ici c'est un podcast de tricot, voilà, où je raconte mes petites aventures tricotesques, donc les projets sur lesquels je suis en train de travailler, les choses que je viens de terminer, les choses que je rêve de faire, les achats, etc. Tout en rapport avec la laine, le tricot, et parfois un peu de crochet, mais là, il n'en sera pas question du tout, car je vous retrouve aujourd'hui pour vraiment un épisode que je vous avais promis juré. Donc pour revenir avec vous sur ma boîte de bas de l'année 2020, donc celle que j'ai tricotée tout au long de l'année 2020, que je me suis offerte le 1er janvier 2021. Je vais essayer de pas m'embrouiller sur les dates, mais je sens que ça va être chaud quand même. Et que je vous avais dévoilée dans une vidéo, donc en janvier 2021, l'année d'il y a pile poil un an, et que je vais essayer de coller, peut-être bien que ce sera là, coller un lien, parce que YouTube permet de le faire, et à chaque fois que je vous dis que je vais le faire, j'oublie de le faire. Alors si j'ai encore une fois oublié de le faire, ça sera dans la barre de description en dessous. Mais donc, si j'y ai pensé, ici, vous aurez un petit lien pour aller voir la vidéo dans laquelle je vous présentais donc la boîte de bas que je m'étais tricotée tout au long de l'année 2020. Et vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais vous faire un retour sur cette boîte de bas, c'est-à-dire vous montrer un an après un an d'utilisation, comment étaient les chaussettes, est-ce qu'il y avait des modèles pour lesquels finalement j'avais un petit peu de regrets, ou peut-être les choses que je changerais, qu'est-ce que j'avais pensé, ou qu'est-ce que je pensais de la laine du coup après une année d'utilisation, ce genre de choses. Donc je trouve que ça peut être assez intéressant effectivement de revenir ensemble sur ça. Donc tout d'abord, voici la bête de l'année 2020. Et 2020, j'avais tricoté aussi 12 paires comme ce que j'ai fait cette année. Donc cette année, je vous ai déjà fait il y a un peu plus de 2 semaines maintenant la vidéo sur ma boîte de bas 2021. Donc pareil. Si vous voulez aller jeter un œil. Et sur le même principe, 2020-2021, j'ai tricoté 12 paires environ, une paire par mois. Là en 2020 sauf une, mais on va revenir dessus, je vais vous raconter en détail. Alors je sais pas si je vais revenir en détail sur chaque modèle, comment il était tricoté ou quoi. Même si j'ai des notes, c'est plus forcément très frais dans mon esprit. Et alors, je suis déjà, j'ai déjà des petits problèmes pour me rappeler, même quand c'est très frais dans mon esprit. Alors, à un an d'intervalle, je vous raconte même pas. Donc ça, c'était la boîte de bas 2020. Et 2020, c'est l'année où j'ai commencé à tricoter des chaussettes. Donc, j'ai tricoté ma première paire de chaussettes en février 2020. Et très rapidement après, je me suis dit que j'allais faire d'autres paires, et vraiment dans la foulée, j'ai eu très envie, j'ai découvert ce concept de boîte de bas, c'est-à-dire que vous tricotez vos chaussettes durant toute l'année, vous ne les portez pas, vous les mettez donc dans une jolie boîte comme celle-ci, et à la fin de l'année, donc généralement pour Noël, mais donc là j'avais été obligée
de déborder de quelques jours parce que j'étais un petit peu en retard sur mon tricot. Donc généralement aux alentours de Noël, vous vous offrez votre boîte avec 12 paires ou plus ou moins, finalement c'est comme vous voulez, 12 paires de chaussettes tricotées pour porter tout au long de l'année qui arrive. Voilà. Alors moi j'adore ce principe, je trouve ça super. Et ça a été très facile pour moi de le faire cette année parce que j'avais déjà des chaussettes à porter. Je comprends que pour certains, ça soit compliqué de se dire « je tricote un truc, mais je peux le porter que dans un an ». Non, il n'est pas possible. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème. Et alors vraiment, là, d'autant plus que maintenant, j'ai une bonne petite collection de paires de chaussettes. Donc, ça ne me dérange pas. Bon oui, écoutez, on va tout de suite commencer parce que ceux qui savent, savent. Alors, j'ai découvert le tricot de chaussettes en février 2020 et forcément, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde, le tricot de chaussettes avec des bas qu'on a, des chaussettes à la vanille. C'est-à-dire des chaussettes, petite parenthèse, toutes les chaussettes de la boîte de bas sont propres. Je les ai lavées tout avant de les présenter, elles ne sont pas portées. Mais, eh bien, écoutez, elles ont vécu. Donc, elles ont vécu et il va y avoir des cheveux après. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. On est trois filles avec des cheveux longs. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on est en train de... Comme les chats, on fait des... Je ne sais pas, mais il y a des cheveux partout dans cette maison. Donc, il est possible que je passe mon temps à enlever des minous comme ça, des chaussettes. Mais elles sont propres, je vous le dis. Donc, fin de la parenthèse. Alors, vous avez vu ce beau soleil aujourd'hui? C'est même... On n'a plus l'habitude, hein, ma brave dame. Février 2020, je tricotais donc la première paire de chaussettes pour ma boîte de bas. Et c'était donc une paire de chaussettes à la vanille toute simple. C'est vraiment le modèle de base, donc une paire de chaussettes à la vanille, c'est-à-dire du quelques côtes pour la cheville et ensuite du jersey tout simple. J'ai longtemps fait ce modèle-là, c'est-à-dire chaussettes à la vanille, fish lips kiss heel en talon et... recette d'orteil avec diminution un rang sur deux jusqu'à ce que j'ai 18 mailles sur mon aiguille, enfin sur chacune de mes aiguilles, et après des diminutions tous les rangs. Et ben alors ça n'a pas du tout changé. Je continue vraiment à faire ce type de d'orteil là. C'est vraiment anatomiquement celui qui me convient le mieux. Par contre, je fais moins de fish lips. Je préfère maintenant porter le talon à gousset renforcé. Voilà, donc ça, c'était seulement à force d'en porter que j'ai pu m'en rendre compte. En revanche, je continuerai à faire le fish lips pour des laines, par exemple des laines auto-rayantes, ce genre de choses. Donc voilà. Mais ça, c'était vraiment pendant longtemps, ça a été mon patron de référence. Hein. C'était ma copine Monica qui m'avait envoyé sa petite recette personnelle de comment faire les chaussettes à la vanille. Et donc voilà, j'ai suivi ce patron pendant longtemps. Les laines. Alors, je ne vais pas vous parler des... Enfin, je ne vais pas vous parler. Les laines décontrastantes, là, ce sont des petites laines japonaises que j'avais rapportées de mon voyage au Japon en 2019. Donc, autant vous dire que c'est introuvable en France, donc c'est peut-être pas la peine que je vous fasse un retour dessus. En revanche, la laine principale, c'est de la laine bergère de France. Donc là, techniquement, vous allez pouvoir en trouver sans problème. Enfin, sans problème. D'ailleurs, est-ce que sans problème? Parce que là, j'avoue que... Ça, oui, non, finalement, je ne sais pas, je dis ça, mais ça existe encore, Bergère de France. Désolée hein, pour ces infos. Parce que donc, nous, on avait une boutique à Metz, mais qui a fermé depuis bien longtemps. Et il y a une boutique à Nancy, mais ça fait une éternité que je ne suis pas allée à Nancy, dans les coins où était la boutique. D'où mon interrogation de savoir si les laines Bergère de France existent encore. Vous me direz si ça continue, puisque ça fait des années, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de rumeurs, enfin je ne sais pas, qu'on entend que ça, il n'y en aura bientôt plus, enfin voilà, donc je ne sais pas. Donc c'était de la Bergère de France, la base c'est la Goumi 50, j'ai mes notes là, hein. Et le coloris c'était imprime beige, et je trouve que un an après, eh ben ça a plutôt bien tenu, parce que bien entendu sur de la Bergère de France, on est à un prix
pour la pelote de 100 grammes, vraiment hyper concurrentielle. Alors, je ne me rappelle plus exactement et je ne l'avais pas noté à l'époque et je ne suis pas allée faire de recherche, mais vous vous doutez bien que la pelote de 50 grammes est probablement deux fois moins chère qu'un écheveau de 50 grammes chez une teinturière. Je trouve que le rendu était pas mal, mais je m'en souviens et je me rappelle à l'époque que ça avait été pour moi très très désagréable de tricoter ces chaussettes, car la pelote que j'avais était pleine de nœuds. Mais de nœuds, en fait, à mon avis, il y a eu des problèmes au moment de bobiner la laine, ou je sais pas trop. Mais dans ma petite pelote de 50 grammes, je pense que j'en avais eu au moins une bonne dizaine. Donc c'était franchement pas agréable. Alors, pour être tout à fait complète dans mon truc, j'avais à l'époque acheté deux pelotes. J'en avais gardé une pour moi et j'en avais offerte une à ma copine Julie. Et elle n'avait eu, elle, aucun problème. Moi, par contre, je me rappelle qu'en tricotant, je me disais, ok, eh bien, je n'achèterai plus chez Bergère de France, puisque c'est, enfin là, c'était vraiment la cata. Est-ce que j'ai juste pas eu de bol? C'est possible, c'est bien probable. Mais bon, voilà, disons qu'au porté, un an plus tard, elles sont tout à fait, encore tout à fait correctes. Alors, deux choses. Je vous dis au porté, mais il faut peut-être quand même que je vous donne une référence de comment, quand, quoi je porte mes chaussettes, histoire que vous puissiez un petit peu vous faire une idée. Donc il faut savoir que j'habite dans le nord-est et que par chance, quelque part, c'est une région où tricoter et porter ses tricots, eh ben, ça a du sens, vraiment, vraiment. Et du coup, mes chaussettes tricotées, moi je les porte vraiment toute l'année, sauf on va dire entre mai, juin, juillet, août, quoi. Voilà, ça c'est donc les 8 autres mois de l'année, je porte des chaussettes tricotées tous les jours, depuis 2021, quoi. Je les porte dans mes baskets, je les porte dans mes bottines, je les porte dans la maison, avec ou sans chaussons, ça dépend. Donc voilà, je les porte, alors ça aussi, hein, ce sera notre petit secret, vous ne me cafetez pas à mes enfants. Il m'arrive de les porter dehors sur notre terrasse, quand je dois juste sortir, je sors prendre mon petit café sur la terrasse à midi ou ce genre de choses. Alors que si les enfants sortent eux en chaussettes dehors, ils se font un petit peu disputer. Je fais la même chose, hein. Et voilà. Et moi, personne ne me dispute, mais c'est comme ça. Voilà, c'est le privilège de l'âge. Donc, autant vous dire qu'elles sont quand même... en faisant un petit calcul rapide, vous savez que les maths et moi, c'est une grande histoire d'amour, mais j'ai quand même vérifié mon truc. On peut dire que je les ai portées, chaque paire de cette boîte, à peu près une vingtaine de fois dans l'année donc qui vient de s'écouler, là, en 2021. Voilà, c'est à peu près la moyenne. Comment j'entretiens mes petites chaussettes aussi? Parce que ça aussi, ça peut avoir une incidence. Est-ce qu'elles sont vraiment souvent lavées? Alors, donc, vous voyez, une utilisation quand même assez régulière. Je mets aussi mes chaussettes en laine pour aller en rando. On fait des randos assez souvent les week-ends. Et pareil, c'est chaussettes de laine obligatoires. Donc, elles sont quand même pas traitées avec... délicatesse, etc. Je m'en sers vraiment. Et alors, donc, du coup, comment je les entretiens? Donc, j'avais commencé au début de l'année à les laver toutes à la main et tout ça. Je me suis vite rendu compte que non, ça n'allait pas être possible, ça allait être trop compliqué. Donc, je les lave en machine, à une ou deux exceptions près, mais je vous en reparlerai au moment où je vous en parle. Je les lave en machine, un cycle laine, et je les essore en machine et je les mets ensuite à étendre. Donc pareil, on peut pas dire qu'elles soient traitées de façon délicate et machin pour l'entretien. Mais je ne les lave pas à chaque utilisation. Alors attention, donc si vous n'avez jamais porté de chaussettes en laine, vous allez vous dire « Eh ben là, madame Bibiche, c'est une grosse dégueulasse !» Donc non, je mets tout de suite un petit
un petit disclaimer, et je pense que les personnes qui tricotent et portent des chaussettes en laine ne manqueront pas de confirmer ce que je dis. La chaussette en laine, c'est vraiment pas comme une chaussette classique du commerce. Une chaussette classique du commerce, je la porte une journée, je la mets le soir au sale. Je sais, voilà, c'est comme ça. En revanche, la chaussette en laine, eh ben, je trouve que elle réagit pas du tout de la même façon. Alors attention pour les détails, mais par exemple, je trouve que on transpire moins, ça sent pas, c'est donc il y a moins pour moi d'utilité ou de nécessité à devoir la laver entre chaque fois où je la porte. Or, bien entendu, si on a été marcher en rando en forêt et qu'il y a de la boue partout dessus, hein, d'accord. Mais donc, généralement, ce que je fais, je porte mes chaussettes une journée, le soir, je les enlève et je les mets en attente, à aérer son un petit meuble dans notre salle de bain, elles sont posées, là, voilà. Et puis j'alterne avec d'autres chaussettes dans la semaine. Et puis celles-là, je vais les reporter encore une autre fois, un petit peu quelques jours plus tard. Je vais les porter quand même quelques fois avant de les laver. Et je dois bien dire que je les lave parce que je me dis qu'il faut que je les lave. Mais je... Voilà, elles sont pas d'une saleté répugnante. Je vous dis, ça sent pas mauvais. Enfin, vraiment, ça n'a rien à voir avec une chaussette classique, on va dire, du commerce. Donc, elles ont été portées une vingtaine de fois, mais elles n'ont pas été lavées une vingtaine de fois. Voilà. Comme ça, vous avez un petit référentiel, vous savez à peu près comment elles sont utilisées, etc. Le dernier truc sur ces chaussettes, c'est qu'à l'époque, c'est comme ça que j'ai commencé, je tricotais avec les Adidas Crazy Trio. Et c'est par ça que j'ai commencé le tricot de chaussettes. C'est pas une technique que j'apprécie, mais c'était les aiguilles que j'avais au départ pour commencer. Voilà. Et du coup, ça me fait vraiment des grosses échelles sur le côté de mes chaussettes, les Crazy Trio. Même, j'ai essayé de bien serrer ou quoi, et j'ai jamais réussi à avoir mieux que ça. Or, vous allez me dire, c'est pas gravissime, mais esthétiquement, je trouve que le rendu de la mini circulaire est quand même, pour moi, vachement plus sympa. Donc, mon petit avis sur cette schnurz-là, très mauvaise expérience avec ma laine bergère de France parce que beaucoup de nœuds, mais au final, bon rapport qualité-prix, puisque clairement, voilà, un an plus tard, avec une utilisation plutôt pas douce, et ben, on est quand même sur de la chaussette qui a plutôt bien vieilli. Je sais pas si ça se dit pour des chaussettes. Oui, très probablement que ça se dit. Donc, ça, c'était ma première paire de chaussettes. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? On va vous dire que la Goumi 50, c'est une 75% laine et une 25% nylon. Voilà. J'espère que le soleil ne sera pas gênant. Ouais, je vois que ça fait un petit reflet, mais je pense que j'aurai pas mieux que ça. Donc, voilà. Le deuxième modèle que j'avais ensuite fait pour la boîte de bas, c'est... Donc pareil, j'enlève avant de vous les présenter. Je les ai pas passés au rasoir, tiens, avant de vous les montrer. Bon, comme ça, finalement, c'est peut-être presque mieux, quoi. Vous êtes vraiment... vous avez vraiment le vrai look, le vrai rendu de la chaussette après une année d'utilisation. Donc celle-ci, on voit qu'il y a des... Enfin, moi, je vois en tout cas ici qu'il y a des petites peluches, hein, mais bon. Alors, les Hermione's Everyday Socks de... J'arrive pas à me relire un an après. Erika Lueder. C'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry et qui existe en français. Il y a une traduction française. Donc ça peut être pas mal parce que c'est un modèle encore assez simple, mais avec un petit point texturé sur le dessus. Donc qui peut, quand vous venez de faire des paires de chaussettes à la vanille pour vous faire la main, ça peut être pas mal de tricoter celui-ci. Et donc contrairement au premier modèle, celui-ci, il a un talon à gousset. Et alors celui-ci... j'avais marqué talon œil de perdrix, mais alors là, franchement, j'ai pas dû faire le talon œil de perdrix, hein. Ou alors je me suis gourée quand je l'ai fait, parce que sérieusement, ça ne se voit pas du tout. Mais c'est bien possible que je me sois gourée parce que, en fait, donc, je vais vous parler de la laine. Cascade Yarn, héritage, c'est ça. Le coloris, c'est la
Italian Plum, c'est aussi une 75-25. Et donc ce qui avait été un petit peu compliqué pour moi, c'est que la laine est assez sombre, et comme je tricote principalement le soir, bah, c'était pas forcément évident de voir où j'en étais dans le petit point texturé, quoi. Et donc je pense que ça doit être la même chose au niveau, comme c'était la première fois que je faisais un talon à gousset, je pense que j'ai dû un peu galérer sur où est-ce que j'en suis, où est-ce que machin. Ouais, on voit un cas des petites tic tic tic, des petits minous. Mais enfin, alors pareil, hein, celle-ci niveau agréabilité, non, c'est pas ça le mot, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que celles-ci sont vachement plus douces et agréables à porter que celles-là, clairement. Donc, on n'est pas du tout sur le même type de rendu, de sensation au pied. Ça, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable à porter, vraiment. Ce que je préfère aussi dans celle-ci, c'est que la tige est plus haute. Je faisais souvent des tiges assez courtes dans les premiers modèles que je faisais. Et franchement, à l'usage, je préfère quand même quand la tige est un petit peu plus haute. Alors, il ne faut pas trop haut non plus. Il faut un bon truc entre les deux. Mais c'est vrai ce qu'on dit là quand on plie la chaussette, hein, que le côté de la tige et le côté du pied devraient être à peu près égal. Bah, je trouve que c'est un bon indicateur. Je vais essayer de tirer les rideaux pour avoir un tout petit peu moins de soleil. C'est pas mieux. C'est pas mieux du tout. Alors, cet petit épisode de retour sur la boîte de bas, je vous l'avais donc promis la semaine dernière. Et puis, bah, entre-temps, nous avons un invité totalement indésirable, dont on n'a pas le droit de dire le nom, qui s'est invité à la maison et bah, du coup, qui a un petit peu bouleversé les plans. Et du coup, là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais tourner cet épisode, puisque je vais bien, pas que tout le monde n'est pas à la maison, enfin voilà. Je vais tourner cet épisode comme ça. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Mais du coup, ben voilà, du coup, ben, y a du soleil. On va pas se laisser abattre. Allez! Voilà ce que j'ai à vous dire pour celle-ci. Donc la cascade yarn, alors pareil, ça c'est une laine que j'avais depuis très longtemps dans mon stock, parce que j'avais fait des essais de tricot de chaussettes auparavant qui n'avaient absolument jamais été concluants. Donc je ne saurais même pas vous dire à combien est les chevaux, mais par contre la qualité est vraiment chouette. Il y a quelques petites peluches bien entendu, mais elles se tiennent vraiment vraiment bien. Donc voilà pour ma deuxième paire. Alors, la troisième paire, c'est une paire en auto-rayante du bruit des aiguilles. Hop. Donc les laines de Anna, le bruit des aiguilles, en fait, que j'avais découvert pendant le premier confinement de mars-avril 2020. En fait, j'avais découvert les podcasts d'Anna et qui avaient été un véritable réconfort pour moi. Et du coup, bah, j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir tester ces laines auto-rayantes puisque ça me semblait absolument génial, cette idée de tricoter donc des chaussettes à la vanille, hein, en jersey tout simple, qui faisaient le travail toute seule en changeant de couleur. Du coup, ça c'était un écheveau. Alors je pense qu'à l'époque j'avais dû lui prendre 100 grammes. Bon, un écheveau. Ah non, 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 un écheveau de 50 grammes de son coloris New Slang sur sa base 85-15. Et pour le petit contrastant ici, là et là, c'est un mini de 20 grammes qui s'appelle Gris. Au niveau du coloris. Donc là j'avoue que c'est vraiment une paire que j'adore parce que la laine est absolument incroyable. Franchement, elle est très très agréable à porter. Elle est
toutes douces, vraiment elles sont tip top. Donc pareil, c'était un modèle de bavani tout simple avec un fish lips kiss heel. Je crois qu'à peu près toutes les paires, sauf une de cette boîte de bas, étaient tricotées des côtes jusqu'aux orteils. C'est de toute façon ma façon de tricoter les chaussettes préférées. Donc voilà. Sauf mention contraire, c'est dans ce sens-là. Et voilà. Et je trouve que la laine a plutôt bien vieilli aussi. Avec ce soleil, je ne sais pas ce que vous arriverez à en voir. Je verrai ça parce que dans le retour caméra que j'ai. Puis étant donné que je suis éblouie, moi je vois rien non plus. Donc voilà, mais je trouve que la laine, pareil, a plutôt bien vieilli. Elle est même pas feutrée en fait. Celle-ci, elle est feutrée au niveau du talon. Celle-ci aussi. C'est souvent là, moi, que j'abîme le plus les chaussettes, on va dire. Mais sinon, sur la partie du pied, franchement, elles sont pas du tout feutrées. Bon, elles sont encore vraiment en très très bon état. Et est-ce que j'étais passée au mini circulaire sur celle-ci? Non, je pense que je devais être encore avec les Crazy Trio, finalement. Parce que ça m'a l'air vachement mieux quand même. J'ai pas d'escalier. Bah je ne sais plus. Je ne sais plus. Bah si on était... Ah bah non, j'ai dû les recevoir après le confinement. Bah écoutez, je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, ça m'a l'air, je me demande... La première, j'ai un doute. Mais alors la deuxième, il n'y a pas du tout d'escalier. Donc non, je devais être... J'avais dû découvrir la technique des mini-circulaires. Les mini-circulaires... Ma vie. Donc, le bruit des aiguilles... Pour moi, ma pointure, c'est à savoir un 37,5, 38, l'écheveau de 50 grammes, c'est nickel, c'est bien suffisant, avec un contrastant pour les côtes, les orteils et le talon. Donc, je suis ravie, j'ai depuis pas mal acheté d'autres choses chez Anna, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas acheté d'auto-rayante, et tiens, ça me donne bien envie. Ça me donne bien envie. Donc, passons à la quatrième paire, qui était le test que j'avais réalisé dans le cadre de la... Donc, le test pour le livre « Tricoter ses chaussettes », le livre d'Élodie et d'Émilie, qui est sorti du coup en janvier 2021. Et moi, donc, j'avais tricoté courant 2020 en test la paire des Mardi Torsade, et c'était... Vous voyez, ma quatrième, peut-être cinquième paire de chaussettes. Et j'avais quand même attaqué un modèle un petit peu ardu. Alors, les laines, c'est donc de la Sweet Georgia. La base, c'est Tough Love Sock. C'est une 80-20. Les coloris, Riptide et Jasmine. Et... Je pense que je vous en ai largement parlé, mais alors, du coup, ça va se voir. Et cette laine-là, la Riptide, a énormément d'étain sur mes chaussettes. Mais j'ai l'impression que finalement, après un bon petit paquet de lavage, écoutez, ça se voit quasiment plus. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose ? Ouais, en fait, franchement, ça se voit quasi plus. Alors que, on voit peut-être ici un petit peu que le bleu là a dégorgé un petit peu là, mais et encore quoi. On voit surtout mes cheveux finalement. Donc, j'étais assez déçue que mes laines dégorgent, mais au final, vous voyez, après une année de portée, alors du coup, je vous dirais pas oui, allez-y les yeux fermés, hein, mais en tout cas, après une année de portée et des lavages successifs, alors du coup, celle-ci, je ne les lave plus en machine avec les autres, celle-ci, je les lave à la main, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça n'a plus refait de grosses catastrophes, parce que je vais vous montrer, alors du coup, est-ce qu'on les verra, que sur d'autres chaussettes, elles avaient des teints aussi quand je les avais lavées en machine, formidable. Donc voilà, que vous dire sur ce modèle, qui est un modèle que je porte aussi beaucoup, je les aime vraiment bien. Pareil, qui se commençait ici, c'était un... Qu'est-ce que c'était comme... un rolled edge caston, je crois, pour un caston assez rigolo à faire là pour le départ.
que j'avoue que j'ai jamais refait parce qu'il demande quand même de la manip. Et au final, moi, le... Alors, soit le German Twisted, soit le Long Tail Caston, en fait, tout simple, et ben c'est bien suffisant au niveau élasticité et tenue des côtes. C'est finalement ce qui me va le mieux. Donc, bah écoutez, je continue comme ça et c'est très bien, d'autant plus que c'est tout facile. Donc, ça me convient bien. Voilà, il y avait des petites côtes torse, donc c'est bien bien joli. Et puis, ben après toutes ces... Alors, ce qui est chouette en plus dans ce modèle, c'est que les torsades, elles se répondent, elles sont symétriques en fait. Donc, c'est joli, on a quand même vraiment deux chaussettes différentes. Et l'une à côté de l'autre, c'est trop beau. Avec un petit talon à gousset, classique, voilà. Et puis, bah, depuis, tout le monde a découvert le livre « Tricoter ses chaussettes » et franchement, c'est trop bien. C'est un super livre de référence pour le tricot de chaussettes. Donc, j'étais ravie de participer à ma petite échelle, à la préparation de ce livre, etc. Voilà pour mon... patron. Donc ouais, la Rittail, la Sweet Georgia, écoutez, la laine, c'est sûr qu'elle est vraiment, elle est chouette, elle est agréable à porter et tout, mais le fait que ça, ce coloris là dégorge beaucoup, ça m'avait un brin contrarié quand la fois où je les ai sorties de la machine et qu'elles avaient dégorgé sur d'autres chaussettes. J'ai l'impression que ça s'atténue quand même avec le temps, mais méfiance, méfiance. Là, je ne sais même plus où j'en suis. Cinquième paire de chaussettes, c'est mes préférées. C'est vraiment les préférées. Celles que je porte le plus, je pense, parce que je trouve que le modèle est super. Je trouve que la laine est merveilleuse. Enfin, voilà, c'est un ensemble. Ce sont les Into the Woods de Melody Hoffman. Baie mandarine sur Ravelry. Franchement, je les trouve magnifiques, ces chaussettes. Alors, que vous dire? C'est de la Hedgehog Fiber et c'est la Sockyarn. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, celle-ci. Le coloris, c'est Liebling. Un coloris merveilleusement automnal à souhait. Et cette base, c'est une 90-10. Donc voilà, et je trouve que le modèle était chouette parce que les petits arbres là à faire, ça rythme bien le tricot, mais je pense que c'est un ensemble de toute façon. Là, c'est, pour moi, c'est le modèle qui est chouette et c'est la laine, elle est géniale, franchement elle est vraiment top à porter, elle est hyper agréable. Bon, c'est un petit peu feutré aussi, hein. Un petit peu, très légèrement, mais voilà. Mais celles-ci, elles sont... En fait, dès qu'on part faire une rando, c'est les chaussettes que je mets, quasiment. Donc, voilà, parce que oui, nous allons dans les bois, donc il faut porter des chaussettes qui s'appellent Into the Woods. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un peu comme ça, hein. Je suis un peu... Comme je choisis mes marqueurs de début de rang, etc., en fonction de la laine ou du nom du modèle, etc. Voilà, voilà. Je ne suis pas folle, vous savez. Mais c'est vraiment... ouais, je crois que c'est le modèle de ma boîte de bas que je préfère et celui que je préfère porter. Donc c'est celui aussi où du coup je me suis dit... ouais, vraiment le talon à gousset à porter, c'est ce que je préfère. Et pareil, les mignonnes petites côtes torses là en haut. Voilà, hein. Je ne sais pas s'il existe des petites côtes plus mignonnes que ça, je ne sais pas. Donc c'est un... grand oui. Et d'ailleurs, c'est très chouette parce que je suis en train d'en retricoter de la Hedgehog Fiber. Là, pour les chaussettes que je suis en train de faire actuellement, pour mes Doro Sock. Donc, je suis bien contente car j'aurai une nouvelle paire bientôt dans cette laine, dans cette qualité de laine. Alors ensuite, les deux paires de chaussettes que je vais vous présenter c'était une seule et même pelote, mais j'ai réussi du coup à en faire deux paires. Donc deux paires presque similaires. La première paire que j'ai tricotée, c'est celle-ci. Donc ça, c'est une grosse pelote, bon, une pelote de 100 grammes de chez Lang Yarns. Et ça s'appelle la Twin Socks. Le coloris, c'était le coloris 909
02 32. Ah, et ça sonne. On pense qu'on va être tranquille et en fait, ben non, pas du tout. Hein, pas du tout. Donc la laine, Twin Socks Long Yarn Coloris 909-02-32. C'est une 75-25 aussi. Ça c'est pour le contrastant. Je me dis, tiens, il y avait deux coloris carrément pour cette. Et donc, c'est une pelote de 100 grammes. Et vous, normalement, grâce à cette pelote, vous pouvez vous faire deux paires de chaussettes identiques. C'est-à-dire qu'à un moment au milieu de la pelote, vous tombez sur un fil blanc. Et à partir de là, vous pouvez recommencer une paire de chaussettes identiques. Mais, étant donné que je n'avais pas envie d'avoir des chaussettes qui mesurent cette taille-là, j'avais décidé de faire deux paires. Puisque dès que j'utilise des contrastants pour les côtes et tout ça, eh bien 50 grammes, c'est vraiment suffisant pour moi. Donc la première que j'ai faite, c'est cette paire-là. Donc avec la partie un peu plus foncée du rainbow, quoi, du coloris dégradé. Et je me rappelle que j'avais un petit peu galéré pour trouver où commencer, parce que en fait, contrairement à une laine autorayante, alors là j'ai l'impression de répéter exactement ce que je disais il y a un an, contrairement à une laine autorayante où la séparation entre les couleurs est extrêmement visible, vous arrivez vraiment à vous repérer, là c'est beaucoup plus ténu. On passe d'une couleur à l'autre en petit dégradé, donc on a un petit peu du mal à savoir où commence réellement la couleur. Donc si tu veux des chaussettes vraiment identiques, c'est pas forcément évident de débuter les deux exactement au même endroit. Moi, je m'en suis pas trop mal tirée, mais voilà. Oh oui, bon, d'accord, ok, je chipote. Mais c'est moins facile que sur de l'autorayante. Par contre, niveau, deux paires dans 100 grammes, et avec juste le petit contrastant donc, que j'ai pris, c'est de la Long Yarn aussi, c'est la Yavol Javol de chez Long Yarn et c'est le coloris 0023. Donc voilà, et je trouve que le rendu est quand même pas trop mal, quoi. Hein. Ça, c'est pas vilain, je les porte pas mal aussi celle-ci. Alors la première que j'ai faite, donc c'était celle-là avec un Fish Lips Kiss Heal, donc ok. Et les deuxièmes que j'ai faites, c'est celle-ci, et c'est finalement celle que je porte le plus, parce que c'est celle que je trouve le plus agréable, avec des petites côtes torse, alors que là j'avais fait des côtes de 2, un talon à gousset, renforcé, et voilà. Donc c'est quand même celle-ci que je porte le plus souvent. Alors, on voit que la laine quand même... Oh, pareil, hein, une fois de plus, c'est quand même pas non plus... Là, on est sur de la pelote qui doit être aux alentours de 6-7 euros, quoi. Hein. Pour 100, enfin, les 100 grammes, c'est 6-7 euros. Alors, bien entendu, hein, c'est sûr qu'il n'y a pas le travail de teinture d'une teinturière indépendante derrière. Hein. Il n'y a pas de point de comparaison possible. Hein. Mais, et puis... Oui, niveau texture... C'est pas ça non plus. On est d'accord que je préférerais tricoter toute ma vie des laines du bruit des aiguilles plutôt que des laines de chez Long Yarn, je pense. Hein. Mais franchement, ça fait quand même vraiment bien le job. Et du coup, je me dis que si vous voulez faire une paire de chaussettes pour quelqu'un, mais vous ne savez pas à quel point cette personne va les porter ou va les entretenir de façon... on va dire correct, quoi, qu'elle va pas les mettre à 60 à laver, enfin, au moins vous avez, bon, c'est moins engageant peut-être qu'une pelote de teinturière indépendante, et je trouve pour un résultat qui est quand même plutôt sympathique, voilà. Donc ça, c'était mes petites paires de chaussettes en Long Yarn, et ah ben, j'ai marqué que c'était là que j'avais découvert le mini circulaire, et ben, ça alors, ben, non, moi, j'aurais vraiment pensé que c'était sur celles du bruit des aiguilles, donc... Mystère, comment j'ai réussi à faire que ça soit aussi joli. Finalement, je retire ce que j'ai dit sur les crazy trio, c'est très bien, voilà. Mais non, ça va quand même vachement plus vite avec les mini circulaires. Donc voilà, celles-ci, elles font vraiment partie aussi des chaussettes que je porte beaucoup. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû,
plus que celle-là, voilà. Probablement la tige longue. Vous voyez, comme quoi là, en regardant comme ça, je me dis que finalement, ouais, je crois qu'une tige un petit peu plus longue, pour moi, c'est bien. Et voilà, ce que vous pouvez faire avec une pelote seulement de Langarn Twin Socks. Ensuite, alors on était reparti sur des laines de teinturière indépendante. Et en plus, celle-ci, elle m'avait été offerte. Donc, Lucky Bibiche, par ma copine Aurélie qui avait craqué pour ses échevaux. Alors, qui avait craqué pour cette laine. Chez Gail's Art. Et, alors, Gail's Art, ça doit être le nom de la boutique Etsy. Je n'ai pas regardé si elle existait toujours, un an après. Et là-bas, c'était la Gail's Art Wondersock, je crois. Une 75% BFL et 25% nylon. Le coloris Graffiti Asphalt. Donc oui, je crois que c'est une teinturière qui travaille sur Etsy. Donc voilà. Et donc elles étaient... Alors, c'est ma copine Aurélie qui m'avait... offert la laine puisqu'elle les avait achetées, elle avait acheté la laine pour elle, elle avait acheté deux échevaux, elle avait commencé à se tricoter un châle dedans et puis elle avait perdu la foi dans son châle, donc voilà, elle m'avait offert la laine en me disant détricote le châle, elle s'était arrêtée mais elle en avait déjà tricoté une bonne partie, détricote le châle et garde la laine pour te faire des chaussettes, donc bien, elles sont là, ces petites chaussettes, pareil, qui sont pas mal portées parce que j'ai l'impression que pour moi, le BFL tient un petit peu plus chaud que le mérino nylon. C'est peut-être qu'une impression, en tout cas, voilà, j'ai un... Hein? En revanche, je trouve que ça feutre beaucoup plus. Une fois de plus, est-ce que ça rendra à la caméra? Ça sera le mystère. Donc celle-ci, ouais, c'est vrai qu'au niveau des talons, elles sont quand même, elles sont bien feutrées, le dessous du pied aussi. Mais, à part ça, elles sont toujours bien. Et du coup, alors sur toutes les paires que j'ai tricotées et que j'ai portées, j'en ai aucune qui s'est trouée. Je n'ai été obligée de rien reprendre, rien repriser. Donc, d'une façon globale générale, c'est quand même pas trop mal. Le fait d'en avoir quand même plusieurs paires et de pouvoir alterner, c'est sûr que ça doit aider, hein, que d'avoir seulement deux paires et de tourner seulement avec ces deux paires-là. Voilà, donc la seule chose, c'est qu'effectivement, je trouve que celles-ci, elles ont bien feutré sous le pied, mais le reste de la chaussette reste impeccable et... voilà, toujours son petit effet. Je note que j'avais fait un talon œil de perdrix. Eh bien, franchement, ça valait le coup, parce que dans cette laine complètement variée et avec plein de couleurs, eh bien, on voit rien du tout. Hein. Donc, si vous avez une laine super variée comme ça, ne vous embêtez pas avec l'œil de perdrix, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, voilà. Donc ça c'est toutes des chaussettes que j'ai tricotées. Moi, ah oui, le modèle, bon, pas de modèle, hein, pareil pour ceux d'avant, c'était des chaussettes vanille toutes simples. Et donc vraiment un jersey tout simple. Et si je me rappelle bien, pareil, comme le talon œil de perdrix, celle-ci j'avais essayé de faire un motif ou peut-être une torsade, un truc un peu, et en fait ça marchait pas du tout, il y avait vraiment beaucoup trop de coloris pour que ça permette de mettre la laine, le motif en valeur quoi, donc non, pas la peine, paire de chaussettes à la vanille, toute simple. Donc là tous les modèles que je vous ai montrés, c'est des modèles que j'ai tricotés moi, et si je me souviens bien, là on arrivait un peu... vers la fin de l'année et je me disais quand même que j'allais être un petit peu ric-rac si je voulais avoir 12 paires de chaussures. Ouais, on devait être en septembre. Et de chaussures. Donc on devait être en septembre et je me disais que j'allais être certainement un peu ric-rac pour tricoter encore 4 paires de chaussettes. Voilà, je me souviens que ça me semblait un petit peu tendu et que la délivrance, le bonheur est arrivé via Julie. Comme bien souvent, hein, ma petite copine Julie,
qui, du coup, en septembre, avait tricoté pour chacune d'entre nous, ses copines, une paire de chaussettes en secret, ne nous l'avait pas dit. Et je recevais donc cette petite paire de chaussettes au mois de septembre et je me disais, super, finalement, plus que trois, je vais m'en sortir. Donc ça, c'est pas moi qui les ai tricotées, c'est Julie qui les a tricotées, celles-ci et celles-ci. Ce sont les chaussettes que je porte le plus. Je vais vous expliquer. Alors, déjà vous dire la laine et tout ça. Donc, c'est celui-ci, par contre, c'est un modèle, c'est pas juste des chaussettes à la vanille, c'est le modèle lumeux de Heidi Allender et c'est un modèle issu du 52 Weeks of Socks. C'est un modèle qu'elle a tricoté avec aussi les laines de Sweet Georgia, le coloris Jasmine aussi. Hein. On se demande bien de qui la bibiche avait été inspirée quand elle avait acheté ces laines avec lesquelles j'ai tricoté les mardis torsades. C'est parce que je les avais vues chez Julie, juste, tout simplement. Et oui, donc je pourrais pas trop vous dire comment elles étaient tricotées, etc. De tête quand même, il me semble que c'est un modèle que vous commencez par les côtes et jusqu'aux pointes. La pointe, elle a un petit truc rigolo, c'est qu'il y a une petite dentelle sur le... Il y a une petite dentelle sur le dessus du pied. Voilà. Et le talon, ça doit être un talon donc en rang raccourci, a priori, en point mousse. Les orteils sont en point mousse, etc. Et donc, oui, ce sont les chaussettes que je porte le plus. Alors, cette paire de chaussettes-là, elle est un petit peu grande pour moi. En fait, elle nous a tricoté nos chaussettes en secret, donc on n'a pas pu les... Enfin, on les avait pas essayées, etc. Et sachant que j'ai un coup de pied assez fort, elle m'avait fait une chaussette, je pense, dans... peut-être une taille un peu large. Ce qui fait qu'elles me vont, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour les porter dans des chaussures, elles sont un petit peu larges. À savoir, si je mets mon pied dans ma chaussure, il va y avoir des petits bourrelets de laine, voyez-vous. Ça va repousser la laine vers l'arrière et ça fait des petits replis comme ça. Ce qui n'est pas forcément très agréable. Donc, à porter tous les jours dans les chaussures et tout ça... C'est pas ce qui est le mieux pour moi, on va dire. En revanche, je porte mes chaussettes là toutes les nuits dans mon lit. Car le fait qu'elles soient un tout petit peu larges et lâches, je vous explique. Je mets mes chaussettes quand je vais me coucher, car il fait grand froid, je vous rappelle que nous habitons le nord-est, hein, et en plus, avec mon chéri, nous on est sous les combles à la maison, et franchement, dans notre chambre, ça caille, franchement, ça caille vraiment. Donc, la paire de chaussettes pour dormir, alors sorry hein, pour ceux qui trouvent que c'est pas très glamour, c'est comme ça chez moi. La paire de chaussettes la nuit pour dormir, elle est pour moi indispensable. C'est ça où je lui colle les pieds glacés sur les jambes, hein, de toute façon. Donc voilà. Mais une paire de chaussettes que tu portes la nuit, si par hasard vous aviez déjà fait l'expérience, ça peut aussi avoir l'effet inverse. C'est-à-dire qu'à un moment dans la nuit, peut-être que tu peux avoir trop chaud. Et donc tu dois te réveiller, enlever tes chaussettes et machin. Et bien celle-ci. Comme elles sont suffisamment larges et tout ça, la nuit, par une sorte de... Je ne sais pas d'où vient cette façon de faire, de quelque part de mon cerveau. Mon cerveau, réalisant que j'ai trop chaud, me fait enlever mes chaussettes, mais sans me réveiller. Et donc le matin, je me réveille, j'ai mes chaussettes dans le fond de mon lit, généralement bien poussées en plus sur le côté, et je ne me suis pas réveillée pour les enlever. Ce qui fait que j'ai une fonction qui me permet de détecter le moment où il est trop chaud. Et donc, je ne pourrais pas le faire si la paire de chaussettes était trop ajustée à mon pied, comprenez-vous? Et donc, mais je vous jure que c'est vrai, hein, franchement. Alors, ça, vous devez vous dire, non mais alors, elle est complètement... Oui, alors, bon, vous n'avez pas totalement faux. Mais je vous jure que c'est vrai. Et franchement, si vous êtes dans le même cas que moi, mais s'il vous plaît, n'ayez pas peur, on sera plusieurs... N'hésitez pas à me le laisser un commentaire pour me dire oui, moi aussi je porte des chaussettes la nuit et oui, moi aussi à certains moments c'est trop chaud, j'ai trop chaud. Et du coup, vous arrivez soit à enlever vos chaussettes, soit machin.
Et ben moi, celles-ci, je vous jure, j'arrive à les enlever, mais sans me réveiller. Et voilà. C'est un super pouvoir qui ne sert à rien, sauf à auto-réguler ma température corporelle. Mais que voulez-vous? On crache pas dessus quand même, c'est déjà bien. Donc, typiquement, je me dis que pour l'année qui vient, mais alors peut-être pas en des aussi belles chaussettes et tout ça, je vais me faire quelques paires autres que je porterai, mais strictement pour ça, c'est-à-dire mes petites paires de chaussettes pour aller au lit et pour permettre à l'autorégulation de la température corporelle d'arriver. Ouais, vous devez vraiment vous dire, elle est complètement folle. Et alors, ceux qui tricotent pas et ne portent pas de chaussettes doivent se dire encore plus, mais elle a pété un câble. Oh, allez, c'est aussi pour ça que vous m'aimez. Mais je vous assure que si vous êtes dans le même cas que moi, laissez-moi un commentaire, je serai contente de savoir que je ne suis pas seule. Donc, en tout cas, Julie, ses chaussettes sont merveilleuses et me tiennent chaud tous les soirs. Je pense à toi tous les soirs. Donc c'est pour ça qu'il m'en faudrait quand même une autre ou deux autres paires pour pouvoir alterner aussi de chaussettes de dodo. L'avant-avant-dernière paire de chaussettes de ma boîte de bas, ce sont ces très jolies Vice Versa Sock. Alors là, entre, alors là, on a l'ombre du pied et tout. Je ne vais plus bouger. Les Vice Versa Sock d'Élodie Morand. Que j'ai tricoté en socquier de chez Koupnitz. La socquier, c'est une 75 mérino 25 nylon. Le coloris, c'est le coloris 102 Amolite. Et il me semble que c'est un coloris que j'avais racheté à ma copine Eline Hélène, dans un déstage qu'elle avait fait. Et en contrastant, là, oh, j'ai mis de la BFL Sock de Madame Guillotine. Ah oui, hein, ça fait pas le point, ça. La technique n'est pas avec nous, mes amis. Le coloris de cette BFL Sock, donc qui est une 75 BFL 25% nylon, c'est le coloris Ripley. Et c'est un petit mini que j'avais acheté à Marie-Cécile, Madame Guillotine. Voilà, donc pour ces chaussettes, j'avais pas totalement suivi le patron d'Élodie. C'est peut-être plutôt là en fait que je devrais vous les montrer maintenant. Le soleil ayant tourné. J'avais pas tout à fait suivi le patron d'Élodie, à savoir. Pareil, c'est un montage le rolled edge caston comme tout à l'heure. Donc moi non, j'ai fait un montage simple. Les côtes 1-1 torse, il me semble qu'elles sont là dans le modèle. Et normalement, ça doit être un talon renforcé. Et moi, j'avais préféré faire un fishlip, qui était à l'époque le talon que je maîtrisais le mieux. J'avais plus besoin de patron pour le faire. Et du coup, voilà. Et du coup, bah, c'était celui vers lequel j'allais le plus naturellement, on va dire. Donc, la socquier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite laine un peu plutôt light fingering. Et de tête, pareil, elle est quand même un petit peu moins chère. C'est des petits échevaux de 50 grammes et elle est quand même moins chère qu'un écheveau de teinturière indépendante. Donc ça peut être aussi un bon rapport qualité-prix, franchement. Bah oui, alors je ne sais plus où vous les montrer, mais ouais, oui, on voit que ça. Il y a des petites peluches un petit peu, mais rien de dramatique, non? Donc ça peut être aussi un bon rapport qualité-prix, je trouve, cette petite socquier. Mais du coup, attention, elle est quand même un peu moins épaisse qu'une fingering classique. Donc si vous faites un modèle à torsade, un modèle vraiment texturé ou quoi, attention, ça va peut-être être un peu plus petit, votre échantillon ne sera peut-être pas tout à fait le même que un échantillon avec une fingering classique. Classique, pardon. Donc voilà. Alors la même chose, hein, la BFL de Madame Guillotine, donc elle est très très chouette. Puis pareil, je trouve que le travail de teinture était vraiment sympa, avec plein de petits speckles, plein de petites peps de couleurs. Et ouais, ça a tendance à feutrer un petit peu plus facilement le BFL. Hein, je trouve que sur celle-ci, en tout cas moi je les vois. Je crois qu'il faut que je casse.
Voilà, elles sont un petit peu plus feutrées que les autres. Mais on est bien sur ces petites chaussettes. C'est un modèle très sympa. Les modèles d'Elodie sont quand même vraiment très bien rédigés. Je trouve que vous êtes, on est bien pris par la main, bien guidé. Et c'est vraiment une designeuse chaussette que j'aime énormément. Voilà. Ah oui, normalement ça devait être. Ah non, ça devait pas être un talon à gousset renforcé, ça devait être un talon après coup en fait. Et j'ai préféré faire ça. Mais ça serait bien que j'apprenne quand même les talons après coup pour pouvoir tricoter aussi des tubes et puis ensuite les couper. Et puis peut-être un objectif de 2022, on verra ça. On verra ça. L'avant-dernière paire de ma boîte de bas était ce très joli modèle. Bien travaillé quand même, hein. Je trouve que voilà, là il y avait du niveau. Les Farmer McGregor de Alice You. Et oui, pardon, les chaussettes à la bouche, c'est bien. Et si je dis pas de bêtises, c'est j'avais ma copine Aurore m'avait prêté, à qui je fais des gros gros bisous hein, si elle passe par là, parce qu'en ce moment elle en a bien besoin. Elle m'avait prêté un livre de cette designeuse dans laquelle il y avait pas mal de modèles et celui-ci donc que j'avais tricoté issu du livre. La laine, c'est de la laine de chez Madame Guillotine. Là, ça a BFL Platinum Sock 75 BFL 25 nylon et le coloris c'était Amélise Sock. Voilà, alors très chouette hein, avec ce jeu de torsade là qui est pas difficile mais pour lequel faut être quand même un petit peu concentré. Alors depuis j'en ai fait des modèles à torsade pareil un peu plus complexe et tout, donc ça va, ça se fait, mais peut-être pas attaqué par ça. Toujours le même principe hein, on commençait par les pointes là, les côtes pour aller jusqu'aux pointes que je vois d'ailleurs qui sont un petit peu détendues là sur le côté là, hein, il y a un petit peu de jour. Alors, est-ce que j'avais noté? Pourtant, je les ai tricotées en 2-5 et c'est 64 mailles quand même. Mais clairement, c'est des torsades qui resserrent. Alors, les torsades, généralement, ça resserre, mais peut-être pas toutes. Parce que là, au pied, j'ai un modèle avec des torsades et qui finalement est bien élastique. Et là, celle-ci, on voit que ça a quand même... D'ailleurs, j'ai un peu de mal à passer mon coup de pied dedans. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que les orteils, il y avait une façon de faire qui était différente? Et que du coup, c'est bien possible que les orteils... J'ai peut-être suivi le patron pour les orteils parce que je trouve que la pointe, elle est vraiment pas haute par rapport à ce que je fais d'habitude. Et donc, sur les côtés, j'avais remarqué ça tire un peu. Alors, c'est pas cassé, les fils sont encore là, mais voilà. C'est pour ça, hein, des fois, quand on a trouvé une bonne recette qui nous convient bien, moi, maintenant, c'est vrai que je fais toujours la même façon de faire les talons. Et même quand c'est... J'ai essayé d'autres trucs hein, depuis, des talons à étoiles, des machins, des bidules. Et bon, non, je reviens toujours à ma recette classique parce que finalement, c'est celle qui, au pied, me va le mieux. Puis d'ailleurs, ça va se confirmer avec celle d'à côté, les suivantes qui arrivent. Donc, le modèle, je vous dis, sympa, mais un peu serré. Donc, attention. Et la laine, et ben, donc BFL Sock, donc toujours le même truc. Quoique, ça le fait peut-être un petit peu moins... Peut-être un petit peu moins sur celle-ci, mais ah ouais, il y a quand même ça feutre toujours au niveau du talon chez moi. Hein. Et du dessous du pied, alors que le dessus du pied est quand même pas mal du tout, hein, au bout d'un an de portée. Donc voilà, l'hélène de Marie-Cécile, je les trouve très chouettes. J'aime aussi beaucoup son travail de teinture et ça fait longtemps que j'ai rien pris chez elle. Donc j'avoue que ça aussi, 2022... Des envies. Et la dernière paire que j'ai à vous présenter, c'est celles finalement qui ont été le moins portées, puisque je me les étais gardées
précieusement pour les porter au mois de décembre 2021, donc vous voyez, pas, il n'y a pas très longtemps. Et moi, du coup, je les ai portés que quelques fois sur le mois de décembre. Je me dis, alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends, est-ce que du coup je me les réserve et je me les porte toujours que aux environs, enfin au moment de Noël? Peut-être que je vais faire ça, parce que bon, j'ai suffisamment d'autres chaussettes pour tourner, et surtout, on va faire les choses dans l'ordre. Le modèle, c'est les Noël d'antan, de Élise d'Amours Design. C'est un modèle qui m'avait été offert par ma copine Kathleen l'année dernière, quand je ne connaissais pas encore les vœux, les nœuds, mais qu'elle si, et qu'elle avait décidé de me gâter au moment de décembre et des vœux, les nœuds. C'est un modèle que j'ai tricoté en socquier, donc de chez Koupnitz. Le coloris principal, c'est le coloris quartz. Et j'avais utilisé des petits restes, des petits mini, le bruit des aiguilles et Madame Guillotine, donc le bruit des aiguilles 85-15 rouge, et Madame Guillotine BFL Soc, ouais, BFL, bah je pense aussi, hein. Donc du coup 75%, je suis plus sûre si c'était bien un BFL Soc, c'était un petit mini mais je me rappelle plus. Donc si c'est le BFL Soc, donc 75 BFL 25 nylon. Et du coup, c'est le seul modèle de ma boîte de bas 2021 qui se commençait par les orteils. Et ben voilà, ce qu'on disait, la façon de tricoter les orteils. En fait, donc, c'était un montage, vous savez, c'était un Turkish Caston avec un système d'augmentation, je ne sais plus exactement comment il était, un rythme d'augmentation qui fait que la chaussette est très arrondie. Le bout de pied est très arrondi. Et alors, en fait, moi, bah ça me va pas du tout. Parce que j'ai vraiment... J'ai trop... C'est pas... ça suit pas mon pied. C'est pas, ça suit pas mes orteils de façon, on va dire, un peu anatomique, quoi. Et du coup, j'ai du trop plein au niveau du petit orteil. Et c'est pas... Alors, je l'avais dit l'année dernière, sans les avoir encore vraiment portés. Mais ça, c'est... Enfin, je les avais donc essayés, hein, plusieurs fois. Puisque j'avais eu de gros problèmes de tension, mais j'y reviens. Je les avais essayés plusieurs fois et donc j'avais remarqué que ça n'allait pas parfaitement sur mon pied. Et ben oui, hein, au porté, ça se confirme, c'est pas ce qui est le plus agréable pour moi. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et alors, donc cette partie-là, c'est du jacquard, donc au-dessus, en dessous du pied. Et alors, pareil, au porté, et ben ça me dérange de sentir les fils qui passe à cet endroit-là. C'est marrant parce que je suis pas vraiment... Enfin, je pensais pas que c'était quelque chose qui pouvait m'embêter ou quoi. Mais alors, au final, j'ai pas trouvé ça très agréable dans des chaussures clairement pas agréables. Donc, peut-être que je les garderai puis que je les porterai un petit peu comme chaussons au moment des périodes de Noël, etc. Mais voilà. Et j'avais eu de gros problèmes de tricot, de tension... sur ce modèle, parce que alors moi, les modèles où il y a du jacquard sur la tige, c'est quitte ou double. Et alors là, c'était même pas vraiment le jacquard qui avait posé souci, c'était les nopes pour faire les petites baies de houx. Insupportable, je n'arrivais pas, ma tension elle était, et pourtant hein, j'étais vraiment alors relâchée sur mon tricot, mais c'était trop serré, impossible de passer mon pied dedans. Je l'ai recommencé plusieurs fois, ça n'a jamais fonctionné, ou alors à un moment ça fonctionnait, mais alors mon tricot était tellement relâché que c'était moche, parce qu'on voyait tous les fils, il y a les fils qui suivent quand même à l'intérieur, et du coup on voyait tous les fils, donc c'était vraiment vraiment pas joli. Du coup, ce que j'avais fini par faire, c'est faire des espèces de petites bubbles au crochet et à venir les coudre, les attacher là. C'est le seul truc que j'avais trouvé, la petite astuce que j'avais trouvée pour pas devenir folle avec ce modèle. Par contre, c'était chouette, j'avais fait des tresses Layton, là j'en ai pas refait finalement cette année. C'est bien bien joli, ça, c'est un beau rendu. Il faudrait que j'en fasse sur des moufles par exemple, ça pourrait être pas mal. Et le talon, c'était un talon à rang raccourci qui est clairement pas mon talon préféré non plus. Je trouve que ça, enfin voilà, je sais pas, c'est pas mon talon préféré. Je préfère largement le fish lips du coup dans ce genre de talon.
Et puis ben, je pense que vous avez vu un petit peu au fur et à mesure. Attendez, là j'en ai une à l'endroit, une à l'envers. Et je pense que vous avez vu, j'ai les laines qui ont quand même les laines vertes et rouges qui ont dégorgé sur le beige. Donc celle-ci aussi, je les lave à la main. Voilà. Et puis ben, peut-être que ça va finir par s'estomper, j'espère. C'est peut-être moi qui les ai peut-être reposées comme ça, je sais pas. Mais voilà. Donc voilà, c'est pas clairement pas mon modèle préféré. Alors ça n'avait pas été mon modèle préféré à tricoter du fait de ce rang de nappe jacquard qui était pas faisable pour moi. Et à porter, je n'aurais jamais pensé, mais le fait que j'ai de la texture supplémentaire, là, des fils supplémentaires ici, et ben c'est dérangeant au porter en fait. Pas en chaussons, une fois de plus, mais dans des chaussures, c'est pas agréable. Donc, ça sera des petites chaussettes pour porter courant décembre en guise de petits chaussons et ça sera formidablement bien comme ça. Par contre, c'est vrai que les petites côtes là au-dessus avec la tresse laitonne, qu'est-ce que c'est beau, hein, franchement, elle est bien jolie. Et par contre, je me rappelle plus quel rabat j'avais fait. Je ne sais pas s'il a un nom, celui-ci c'était un rabat que j'avais, parce que pareil, hein, j'avais galéré, j'avais fait le rabat recommandé par le patron, ça faisait le chou-fleur, hein, celui qu'on n'aime pas. J'en avais fait un autre, c'était 10 fois trop serré, enfin bref, alors oui, voilà, je me rappelle plus lequel était trop serré, lequel était chou-fleur, mais... Et du coup j'avais fait un rabat que j'avais trouvé sur la chaîne YouTube de Maëlys, d'émailler des aiguilles, mais je me rappelle, je sais plus s'il avait un nom, et au final qui était très sympa. Mais ça reste quand même pas ma façon de tricoter les chaussettes préférées. Je préfère vraiment dans l'autre sens. Donc voilà. Donc la dernière paire de ma boîte de bas 2021. Et du coup, bah là je suis repartie pour une... Alors je vous ai présenté... Ah non, de ma boîte de bas 2020. Je vous avais dit que j'allais m'embrouiller dans les dates. Je vous ai présenté donc aussi là il y a 2 semaines ma boîte de bas 2021. Et bah ouais, je crois que je vais faire une boîte de bas 2022. Je pense que je me rappelle plus si je vous l'ai déjà dit, mais pareil quoi, j'ai été très rapide. J'avais dit non, je peux refaire. Là, j'ai déjà, du coup, ça va me faire 24 paires de chaussettes à porter. Je pense que ça va, je peux faire avec ça. Et voilà, mes copines du tricoter m'ont fait remarquer que ma fille faisait pratiquement la même taille que moi en chaussettes et que donc on allait pouvoir s'échanger les chaussettes. Et là j'ai dit oui, bon oui alors donc oui, je resigne tout de suite pour une boîte de bas 2022. Et en plus, enfin franchement, moi les chaussettes c'est le projet que j'adore tricoter. C'est nomade, c'est facile, enfin vous pouvez faire des techniques, des torsades, des machins, mais pas sur un grand ouvrage. Et du coup je trouve que c'est vraiment chouette. On termine la chaussette avant d'être lassée généralement. Donc voilà. Et en plus je ne suis pas atteinte du syndrome de la deuxième chaussette, donc ça c'est pas mal non plus. Voilà. Donc je vais clore ici cet épisode. J'espère vous retrouver relativement rapidement pour un épisode classique de podcast. J'espère que du coup ce petit retour sur la boîte de bas, voir comment ont évolué ces chaussettes, moi je trouve qu'elles sont encore sont reparties pour une année là, hein, sans aucun problème, hein. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce petit épisode vous a plu. Et puis, si vous êtes vous aussi adepte des chaussettes pour dormir que vous pouvez retirer pendant votre sommeil, je me sentirai vraiment beaucoup moins seule. Merci beaucoup. Et puis, j'essaie de vous retrouver relativement rapidement pour un nouvel épisode. Allons-nous passer entre les mailles du filet, entre les gouttes, entre... Je ne pense pas, hein, je ne pense pas... J'ai déjà le super pouvoir de retirer mes chaussettes la nuit. J'ai pas non plus celui, à mon avis, d'éviter le... celui dont on ne peut pas dire le nom, ad vitam, surtout quand il s'invite au sein de mon foyer. Mais, si tout va bien, j'essaye de vous revenir bien vite pour vous montrer bah, autre chose que des chaussettes, mais quand même un petit peu de chaussettes. Voilà, j'espère que malgré tout le petit souci là de la luminosité, ça sonne à la porte, machin, vous aurez quand même pris plaisir à regarder cet épisode.
Je vous embrasse très très fort. Je sais pas aussi si je vais réussir à vous mettre des petites images avant. Ce sera vraiment la surprise. Hein. Voilà. Où est-ce que je mets tout en ligne comme ça, c'est sûr, c'est fait et j'arrête de vous mentir. Ça m'a vraiment embêté de ne pas pouvoir le sortir dimanche parce que je vous l'avais annoncé, je vous avais dit que ça allait être comme ça. Et j'aime pas quand je prends un engagement, même si c'est pas gravissime bien entendu, mais j'aime, c'est moi ça, hein. Quand je prends un engagement, j'aime pas ne pas m'y tenir, ça coince, ça m'embête un petit peu. Donc voilà, je vous embrasse extrêmement fort, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vous, ça va aller, hein. Non, j'ose pas dire, je crois qu'on arrive au bout, mais... Bon, il faut le penser quand même, parce que sinon, c'est quand même un peu compliqué. Donc, en attendant, vous voyez, on garde le moral quand même, malgré tout. Je vous embrasse très, très, très fort. Si par hasard, vous étiez vous-même plein de microbes, plein de virus actuellement, ben, je vous embrasse encore plus fort. De loin, je ne prends aucun risque. Ouais, vraiment, prenez bien, bien soin de vous, prenez bien soin des autres. See you later!